Bonjour, Denis Michaud, directeur commercial de l'Office de tourisme de Reims, en partenariat pour ce salon Top Reza avec Véronique Diaz du Champagne Moum, que l'on retrouvera avec plaisir tout à l'heure. Donc pour vous faire une petite présentation de Reims, Reims est une ville de 250 000 habitants qui est située à 150 km à l'est de Paris et que l'on peut atteindre facilement maintenant avec le TGV puisqu'il met 45 minutes pour arriver de Paris à Reims. Il y a effectivement 10 connexions par jour, dont 8 qui arrivent au centre-ville. Reims est une ville doublement intéressante puisqu'elle propose un passé culturel riche, hein, puisque c'était, on peut le rappeler, la capitale de la Gaule belgique au 3e siècle après Jésus-Christ, puis une ville royale puisqu'on a couronné 25 rois de France, hein, dans la cathédrale de Reims. C'est une ville qui a subi également des dommages pendant la Première Guerre mondiale, mais où la réconciliation franco-allemande a été signée dans les années 60. C'est également la ville du Champagne, hein, avec des maisons prestigieuses. Je vous ai parlé du Champagne Moum avec Madame Diaz qui vous en dira plus tout à l'heure. C'est une ville avec 200 km de cave. Des maisons prestigieuses comme Pommerie, Ruinard, Veuve Clicquot. C'est une ville également dynamique puisque c'est une ville universitaire qui compte de nombreux étudiants dans beaucoup de domaines, notamment dans la médecine et dans l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Reims ? Une ville avec pétillante, puisqu'il y a des festivals fort intéressants, et notamment les fêtes joanniques. Et vous avez un festival de musique qui couvre tout l'été, qui s'appelle les Flâneries musicales d'été, avec des gens remarquables et au niveau de la musique classique. Ma foi, notre présence à Top Reza est une première. C'est la première fois que nous exposons pour la ville de Reims. Nous sommes assez contents de ce succès que nous rencontrons aujourd'hui.